C'est la révolution, on devient tous des traqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts traqués. En tout cas, il y a un petit temps mort, on claque un peu une pause pub. En tout cas, voilà, je vois que vous êtes très très nombreux sur ce direct. N'hésitez pas à liker la page, n'hésitez pas à vous abonner. Puisque je suis très souvent en direct depuis les manifestations de Gilets jaunes et depuis les blocages. En vous abonnant et en likant, vous avez un notif qui est plus couille que de rechercher 150 ans sur Facebook, mais c'est quelque chose qui publie ça. Moi, vous avez directement l'info. Et puis ça coûte rien et ça fait toujours super plaisir de voir toujours de plus en plus nombreux à suivre la page. Et ben voilà. Mais la page là, en fait, il y a un bloquement. Et je ne pense pas que Facebook prévoit de la bloquer parce que je ne fais pas que les gilets jaunes. Voilà, donc c'est assez. Voilà. Donc le blocage qui va se disloquer face à une probable intervention des forces de l'ordre. Donc c'est un jeu du chat et de la souris. Après le jeu du chat et de la souris dans les manifs, l'héros s'inverse. L'héros s'inverse aujourd'hui en ce 22 juin. Tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance. Couvert de vêtements quand les membres sont nus. Pour répondre aux commentaires de Zizay, justement, pour que ceux qui le regardent en différé puissent comprendre la raison de cette intervention. Mais en fait, le truc est simple, c'est que, enfin, pour avoir discuté, ça fait quand même depuis 8h du mat que je suis sur le sujet. Donc bon, en 2h, on a l'occasion d'énormément discuter, d'énormément échanger. Le but, c'est qu'en manif, c'est le jeu du chat et de la souris. Là, en blocage, c'est la même chose, sauf qu'on va un peu inverser les rôles. C'est-à-dire qu'habituellement, ce sont les forces de l'ordre qu'il faut courir les manifestants. Et que là, aujourd'hui, c'est les manifestants qui vont faire courir les forces de l'ordre. Donc voilà, ça fait que je risque de faire beaucoup de directs, pas forcément d'affilée. Donc là, vous avez une vue un peu sur ce qui est en train de se passer ici. Ce qui est en train de se passer ici au centre commercial Waves. Et puis voilà, je pense que ça y est. Les forces dehors qui se préparent. Les gilets jaunes qui bougent. Les forces d'ordre étant enfin sorties, les gilets jaunes se décident à bouger. C'est le jeu du chat et la souris auquel on est habitué depuis 30 semaines, depuis plus de 30 semaines en manifestation, mais qui va s'inverser littéralement. Qui en a raison? Par-delà les frontières, la terre doit être.
pas, c'est un peu bizarre cette situation, on repart, on revient. Donc deux colonnes de forces d'ordre qui s'avancent, un camion de Satavol qui vient d'arriver. Le fameux Picsou. On reparlera très bientôt des solutions au mouvement des Gilets jaunes qui peuvent se mettre en place. On en reparlera très bientôt dans les jours qui viennent. Je vous prépare ça. Je vous prépare un peu tout ça, quelques reportages, quelques analyses. Et pendant ce temps, les Gilets jaunes qui entonnent leur hymne de manifestation. Après on repart avec toi cette marée, tu nous dis hein, parce que j'ai mes clés de voiture dans ta voiture. Oui. Donc une scène un peu étrange. Doucement, doucement, sur moi. Ouais. Et c'est bien un assassin qui va se produire. Royaume de France. Là, il a besoin de nous. Laissez passer, de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, c'est ça. Donc on est à Metz, à proximité du centre commercial Waves. Bon. Ah oui, j'en ai un Oni, je te l'ai dit. J'avais pas vu sur la bus là où sur le grand. Ah bah ouais. Ouais, ou pas, là au moins c'est. Nombreux 200. De ça à peu près, là on voit pas tout le monde parce qu'on est un peu au. On est un peu en retrait. Voilà, j'ai pas. Enfin,
Voilà. Et j'ai pas prévu que vous seriez aussi nombreux sur le direct. Ce qui fait que je me retrouve en rade de batterie. Enfin ça, c'est pas pour tout de suite, il y a encore un peu de temps, mais je pense qu'à un moment donné, je couperai le direct. Histoire de prendre les vidéos au moment où il faudra, quoi. Ça va être un peu le but. On verra bien. Donc action de blocage routier du Waves. Sauf que intervention des forces de l'ordre. Et du coup les forces d'ordre se retrouvent aussi à bloquer avec nous. En fait tout simplement. Avec les gilets jaunes. Enfin, fatalement comme je suis sur les lieux, dans un sens je bloque aussi. Même si je suis là pour couvrir l'événement. Ce serait un peu hypocrite de dire ouais je suis là, je suis au milieu de la route. Mais je bloque pas quoi. Techniquement je suis un peu de personne. Des forces d'ordre qui se mettent en place. Devant le centre commercial, on peut traiter un gazage. Ça fait partie des possibilités. Vu de l'essai de vent, ça qu'on a assisté cette dernière semaine, ça m'étonne même pas. Et forces d'ordre poussent les manifestants, donc de manière assez pacifique. Hein. Alors, c'est une avance, c'est une zone de tir. Ça y est, le point c'est quasi une case. Les gens ils vont barrer, ils vont dire ouais, on arrête. La situation est de nouveau bloquée. Là, il faut aller faire comme on a fait là. Le problème c'est qu'il n'y a pas assez aux Waves, les manifestants n'y ont pas assez. Le blocage des Fjords a été fait à cet endroit pour cette raison précise. Il faut bien comprendre l'analyse, c'est que si on bloque cet endroit là et pas autant, c'est pour éviter ça. J'ai pas évité ça. Voilà. Donc bon. Ok, c'est parti pour la crew. Ça y est, c'est fait. On y a droit. On y a droit au primo. Putain, dans les bagnoles, putain. Ah mais regardez-moi ce crâne jaune. Regardez-moi ça. Regarde-moi ça. Alors, il y a des gens qui sont juste venus. Ils sont juste venus. Je la mens. Ils sont juste venus au Gaza. Ah putain, mais ils nous tirent. Qui veut du mal à ce mec? J'en ai profité. Et on les sent, Yakmo. On les sent. Alors qu'il y a des gens qui. Ouais. Voilà. Ça gagne, ouais. En plein dans les voitures, il y a des gens. Putain, ça arrive là. Putain, qui râle tant. Comme toujours, hein. Ah, dans le branche. Putain, il est où, mon frère? Merci à toi, j'en aurai un coup. Hop. Voilà, c'est ça. Les voitures essaient de partir. C'est vraiment une situation complexe ici. C'est une situation hyper compliquée parce qu'ils ont quand même osé tirer des lacrymos alors qu'il y a même des gosses, des gens qui sont venus juste en famille. Donc certes, ils se retrouvent bloqués. Voilà. Passe les à gauche. Non, elle est pas là, on est bloqué là.
elle est là, on se cache. Mais après, j'en sais un mot. Enlevez les gilets. Pourquoi ils ont porté nos gueules? C'est rien. Hop, bah de toute façon, c'est bon, on est de nous sur la route. Hein. C'est bon, continuez tout droit, il y a la route. La route, bon. Jusqu'à l'intérieur, ça doit vraiment pas être. Ouais, mais même, jeter l'eau dessus, ça sert à rien. Hein. Ouais, ouais. Bah en fait, faut la sortie unif, personnellement, ils sont arrivés. Hein. Je veux dire, ça fait une trentaine de semaines que c'est comme ça partout à chaque manif. Je veux dire, pff, ils sont plus là après maintenant. Hein. Une fois qu'ils ont tourné, ils tirent ici. Donc maintenant, faut bien se rendre compte que, bah, voilà. Dans tous les cas, moi, je vais chasser le 5m260 direct, mais on va faire simple. C'est que je vais couper. Des raisons évidentes de force de l'ordre. Ah, si c'est pas sur lequel force d'ordre, on fait l'hôtel. Hein. Ah oui, non, c'est nous, clair. C'est on est juste après du rond-point, on laisse les véhicules passer, c'est l'heure de la soirée. Chaque... Hop, hop, hop. Voilà, donc on va couper direct. Voilà, de toute façon, regarde ça, comme je vous ai dit, c'est toute la journée, donc ça peut être n'importe quel moment en fonction des gilets jaunes. Voilà. Et comme je les connais pas pour l'instant, je peux pas vous les dire d'avance. Dans les cas, voilà ce qu'on retient quand même, c'est cette intervention des forces de l'ordre assez étonnante, impressionnante. L'accès au magasin est dégagé, mais pas trop, mais je dis, dans les mots, tu passes pas. Hein. Surtout que bon, comme il fait chaud, il y a des fenêtres ouvertes, donc là, tu ne passes clairement pas. Donc voilà, on va couper direct. Merci à tous d'avoir suivi, merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui ont like, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner, ça vous permettra d'avoir les notifications au cours de la journée. Donc voilà, on va rester là. N'oubliez pas de se faire un peu plus loin, et ensemble on peut mettre un petit peu à des informations. Merci à tous. Et à tous d'ailleurs.